Allez, les amis, à 5000 pouces bleus, j'achète une mobilette. Mettez les pas, s'il vous plaît, j'ai plus de place. Salut les mecs, c'est Lou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les mecs, enfin, pour tous ceux qui sont passionnés de mobilette, de vélo à moteur, c'est la même chose. Aujourd'hui, les amis, on présente un bolide pour vous. Ça change, vous me l'avez demandé. Merci à Mathis. Attendez, on va plus le présenter. Viens là, Mathis, viens te montrer. Allez, allez, follow sur Instagram. Vas-y, dépêche-toi, t'as 5 secondes. Instagram, c'est quoi? MRT by Shadow. Voilà, nickel. Si vous voulez des questions pour sa petite MRT, vous avez vu la vidéo il y a une semaine. Ouais. Et voilà, et aujourd'hui, nous a ramené son ami. Je t'ai même pas demandé ton prénom. Je m'appelle Lenny, moi. Lenny, ouais. Voilà. Donc Lenny, les amis, il est propriétaire d'une 103 normale. Enfin, une 103 normale. 103 MVL. MVL. Il y a plein de versions, il y en a moins 20. Ah ouais, ah ouais, à ce point-là. Et du coup, les amis, aujourd'hui, on va présenter ça 103, qui n'est bien sûr pas d'origine. Vous vous en doutez, parce que sinon, c'est pas drôle. Ça monte à combien une origine? Genre, origine bridée de ouf, 40, genre 40, 45, pas plus. Ouais, tu te fais chier, ouais. En fait. Ah ouais, du coup, là, c'est beaucoup plus drôle. Ah ouais, c'est vrai qu'on peut du coup comparer avec un scooter, parce que. Enfin, il n'y a pas de vitesse. Non, là-dessus. Donc, à vrai dire, en vrai, c'est le scooter des années. Il y a longtemps, quoi. Donc, voilà, les amis, ça 103, quelle année? Vas-y, bombarde. C'est une de 83 celle-là. 83, putain, j'étais même pas né. Toi, t'étais même pas né. Personne n'était né en fait. De 83. En vrai, elle est stylée parce qu'elle a des parties chromées. Donc elle change. Attends, mais un pot comme ça, c'est d'origine ça? Non, non, c'est pas d'origine. C'est une. Franchement, on dirait un saucisson. Il fait ça le. Ah ouais, parce que là, c'est énorme. Ouais. Et du coup, les amis, on a parlé avant de commencer la vidéo. Et ce qu'on va vous redire. Mais avant, on va parler d'esthétique, après moteur, de l'historique, de combien tu as payé tout ça. Consommation, assurance. Et après, on parlera moteur techniquement. Hein, parce que là, là, il y a du lourd. Hein. Esthétique, qu'est-ce que t'as fait là-dessus? Dessus, j'ai juste. J'ai repeint le cadre. Le cadre hein, ouais. Voilà, ouais, parce que du coup, pour la petite histoire de ce que tu m'as raconté, c'est quand vous l'avez récupéré, c'est ça? Épave. C'était une épave. Épave et donc. Rouille, plein de rouille. Restauration complète. Ouais. Là, le seul truc qui manque sur l'esthétique, c'est vraiment les carters. Ouais, c'est vrai que là, tout est un peu à l'œil. Voilà. Bon, les roues, pareil, ça me fait un peu chier parce que bah, la rouille elle est impossible à avoir dessus. Ah ouais, ah ouais, c'est vrai que c'est dommage parce que des roues chromées à mort ça serait tellement beau. Et Belcom, ouais, j'ai tout fait dessus. Y'a rien qui part. Tu prends du pec vaisselle. C'est galère. Et du coup, niveau esthétique, du coup, t'as tout fait. Bah, en même temps, partie de zéro, c'est sûr que tu fais tout. Et donc, vas-y, au niveau moteur, raconte-nous un alors peu tout là, ça. C'est... Là, c'est la guerre, là, là c'est... Ah ouais. Alors, j'ai eu pas mal de kits dessus. Donc là-dessus, c'est un 70 Hersal. Ouais. J'ai eu des 75 Polini. Celui-là, c'est mon troisième d'Hersal. Ça va, ça coûte pas cher. Ouais, c'est ce que tu disais. C'est, sur mobilette, c'est 50 euros un kit comme ça, 70 Hersal. Ouais, parce que sinon, en vrai, il faut du budget, hein, si t'en sers un tous les mois... Et du coup, après, tu fais combien de kilomètres avec un kit? 60 bornes. Ah ouais? Franchement, 60. Avec un plein? Ouais, ouais, avec un plein, ouais. 60 bornes. 60 bornes, donc ça consomme. Ouais, après, ouais, à mort. Mais il est de combien ton réservoir en fait? C'est un 3 litres 75. Ah c'est ouais. Tout petit. Donc, ouais, donc c'est pour ça. Ok, donc ouais. C'est que ça tire quand même. Ce que je comprends pas, c'est que là, ouais. Pourquoi y a rien? Bah là, en fait, avant, on mettait des pédales dessus. Ah oui, coup, pour pédaler. Voilà. Mais toi, toi, il pédale toi. Ça sert à rien. Donc tu démarres comment? Bah là, tu la démarres la poussette. Ah avec d'accord. Le petit levier qui est là. Ouais. Le compresseur et puis. Ouais bah tu nous montreras ça après. Ouais. Faudra courir. Hein. Galère. Ah je te jure. Du coup, vas-y, continue au niveau moteur. Donc kit 70. Hersal. Voilà. Ensuite dessus, c'est un pot Doppler Street Cup. Après, il y a les bas moteurs Permakit, des gros. Un vélo Doppler Endurance. Bon, il y a tout qui est. En fait, il n'y a rien d'origine. Ouais. Le seul truc d'origine, il y a encore l'allumage, mais bon, ça, on va cotiser. Hein. Ah, je te jure. Un petit DD. Et puis avec un carbu 19. Mais regardez, s'il vous plaît, là, il y a quoi? Il n'y a même pas à aller. Il y a même pas 10 cm. Hein, là, il y a 8 cm à peine. Hein. Et du coup, ouais, c'est ce que tu disais pour les dodanes, il faut freiner quoi. Faut faire gaffe. Faut y aller doucement parce que là, sinon, tu remontes tout. Là, tu pètes tout. Ah, le nombre de fois que j'ai tapé mon pot. Ça... Ah ouais, ça fait longtemps que tu l'as le pot? Tu l'as? Non, c'est un nouveau. Enfin, ça fait 6 mois peut-être. Ah ouais? T'as beaucoup plus de perf du coup en mettant un pot? Ouais, quand même, largement. Ça, ça change de ouf. Ah. Toi, tu les as roulés d'origine? T'as déjà roulé une 103 d'origine? Non, non, pour comparer. Ah là, ça bombarde bien. Ah bah ouais. Donc là, combien de kilomètres? 10 000? Ouais, quand je l'ai eu parce que le compteur il marche pas. Ah, ah donc là elle doit être à quoi? 15 000, 16 000. Ah ouais, tu t'en sers beaucoup hein. Ouais. Et c'est siglé jusqu'à 80. Ouais, sauf que là elle monte entre 100. Genre, et 110. Ouais, là l'aiguille en fait elle fait deux tours, elle revient et t'additionne. Donc ouais, les amis, là vous avez bien entendu 110. Franchement, avec ça, c'est un vélo en fait. Ça fait combien de kilos d'ailleurs? 60 kilos, 50, 60 kilos. Ouais, c'est pas lourd hein. Ah ouais, c'est pas
pas lourd du tout, hein. Donc forcément, quand tu vas vite, le truc il glisse. Ouais, tout doit tout bouger. Faut vérifier que tout est bien serré, hein, parce que ça doit faire flipper un petit peu. En plus, tout est apparent. En gros, tu démontes jamais rien quand t'as de la mécanique à faire. Tu peux tout faire comme ça. C'est pour ça que je mets pas aussi de carter, parce que forcément, bah, t'as, t'as une merde, bah, tu. Ouais, c'est sûr. T'enlèves tout directement. C'est plus facile d'accès. Carrément. Ça vibre ou pas? Ouais, est-ce que ça vibre? Ouais, franchement. Sur l'autoroute, à 50, ça vibre. Ça vibre plus qu'une derby. Oh, je te jure. Mais c'est plus léger qu'une derby. Du moins, c'est ça qui est cool. Tout sera plus léger qu'une derby. Oh, je te jure. C'est trop stylé. Non. Ah, il veut passer sur la vidéo. Je te jure. Regarde, une léchouille. Il veut passer sur la vidéo. Il y a des grosses pattes. Hein. C'est un bébé encore. Ah ouais, ouais. Bah, j'imagine pas. Il a 7 mois là. Ah ouais. Oh, là, c'est son frère. Ah, c'est trop beau. Non, c'est pas des staffs, ton. C'est des American Bully. Bon. Allez, grosse. Bah, bonne balade. Merci. Bonne journée, les gars. Merci. Allez, viens. Elle va pas encore habituée à la laisse. Voilà, trouver la route. Bon allez, revenons à nos moutons. Qu'est-ce qu'on disait? Assurance, combien? Je paye 30 balles. 30 balles, ça va, c'est... Du coup, les amis, le tirage rapide. Il se bloque pas la poignée. Ça va, hein. Ça va. Par contre, c'est méga dur, hein. Ouais. Oh, oi, 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 oi. Donc, si on parle oseille, combien que ça vaut, ça? Parce que maintenant, c'est sûr que ça vaut un petit peu plus cher qu'avant, hein. Dans l'état, franchement, dans l'état, je pourrais la vendre entre 1800 et 2000 euros. Ah ouais, c'est un truc de fou. Et... ça vaut super cher, hein. Ouais, ça prend de et la du balle. Coup, ouais, toi, explique-nous. Elle t'est revenue à combien au final? Alors au début je l'ai eu pour 40 euros. Ouais, je l'ai racheté en mode départ 40 balles et je dirais peut-être j'ai mis dedans 1000, 1002. Ah ouais, donc ouais. En fait t'es toujours gagnant même le jour où tu viendras la revendre. Niveau confort, bon c'est à revoir. Niveau passager, bon on n'expliquera pas mais il faut pas en prendre. Moteur c'est fait, esthétique c'est fait, assurance c'est fait, essence c'est fait, ça roule au 98. Ouais. Betterave. Vodka betterave. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Ah oui, les projets, qu'est-ce que tu veux en faire? Est-ce que tu veux continuer de l'améliorer ou là ça te va? Bah là, elle est presque finie, mais il y a 2-3 trucs à changer, comme là, bah le cadre. En fait. Ah oui, que tu racontais tout à l'heure. Avec l'essence, toute la peinture se barre, donc je vais mettre un cadre tout chromé. Tout chromé. Ah ouais, ça va être beau. C'est vrai que chromé, c'est pas mal, hein. Et avec genre, je sais pas, un truc qui pète un petit peu, un truc flashy. Puis... ouais, c'est stylé. Et t'as d'autres potes à toi qui ont des 103 ouais, ou. J'ai mon cousin, il s'est acheté une par une 103. Ah ouais, c'est stylé, vous faites des balades. C'est ton petit daily, t'as pas d'autres motos à côté. Bah, j'ai un scoot. Mais ouais. Et ouais, du coup, en comparant un scoot, comment tu compares ça? C'est que le scoot, c'est plus confortable. Ouais, c'est sûr. C'est plus confortable, ça consomme moins. Mais ça avance moins vite. Ça va moins vite. Ça, tu te fais plaisir, en fait. Ouais, ça, c'est pour s'amuser. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est quoi, du coup? Ça, j'ai pas compris. Ça c'est le décompresseur. Ouais, c'est le décompresseur pour pouvoir démarrer, c'est ça tire là. Ah, d'accord. Et du coup, à la base, tu pédales et ça démarre. C'est ça. C'est excellent. T'as déjà essayé toi? Ouais. T'aimes bien? Ouais, c'est bien. Ça fait peur, mais c'est marrant. Ça fait un vélo Between 340 avec un moteur. Non, en vrai, c'est stylé, hein. Et du coup, ouais, une soixantaine de kilos. Par contre, des gros amortisseurs quand même. Ouais, je les ai changés, ils étaient tout fins. Ah ouais? Ça, là, tu veux prendre quelqu'un derrière. C'est toi qui a mis des gros comme ça. Et ça va, ça se trouve facilement les pièces. Ouais, il y a tout sur 50 Factory. 50 Factory, code Léonade, 5% de réduction. Ah, ça, c'était bien placé, ça. Ah, ça, c'était bien placé. Ouais. Et donc ouais les amis, franchement moi j'aime bien, hein. Allez les amis, à 5000 pouces bleus, j'achète une mobilette. Mettez les pas s'il vous plaît, j'ai plus de place. Non mais voilà, est-ce que tes éclairages fonctionnent? Mais du coup sur ça il y a pas de clignotant. Il y a pas de clignot. Mais du coup niveau légalité ça se passe comment? Parce que à l'ancienne il y avait pas de clignotant. Non, il y avait que dalle. Donc à l'ancienne il y avait pas de plaque non plus, il y avait rien. Ah ouais. Il fonctionnait, je suis en train de le refaire. Au passé, il fonctionnait. Au passé. Je suis en train de le refaire. Il y a un truc qu'on a oublié de montrer. Ah, vas-y, montre. La petite touche finale. Vas-y, regarde, j'arrive. Le petit bouchon d'essence. Ah, quoi? Incroyable. Mais c'est les nouveaux. Non, c'est... ça c'est. Et encore une fois, les amis, sur 50 Factory. C'est les nouveaux logos Peugeot, ça, non? En fait, bah, ils ont repris l'ancien logo. Voilà. À l'époque, ouais, c'était ça le logo. Ah ouais? Et aujourd'hui, ils ont fait. Ils ont remis le nouveau en l'ancien. Ouais. Enfin, ils ont pris l'ancien pour faire un nouveau. Ouais. Ah, c'est incroyable. Ah oui, du coup, ouais, tu disais là, ton réservoir, il perd un petit peu de peinture. Ok, d'accord. Non, en vrai, c'est stylé, hein. Donc, ouais, tu disais 100-110 km/h max. Et du coup, pas avec le compteur là, comme il fonctionne non, pas. Non, là, il fonctionne pas du tout. Ok, d'accord. Bah, c'est sympa, hein. Et niveau entretien, genre, ça se passe comment, à part changer de kit tous les mois? Non, en vrai, ça va. C'est pas non plus une misère. Non, ça c'est top. Non, en vrai, c'est cool, hein. Quelques petits détails. Le chrome, tu le refais péter à 100%. Ouais. C'est trop beau. Bon, tu vas savoir nous la démarrer ici, tu penses? Faudra en poussant. Faudra faire une coupure. 10 minutes que ça va mettre à démarrer. Bon, vas-y.
Mais le truc c'est que tu croyais que c'était du vrai chrome, mais c'est de la peinture ça qui casse tout. C'est de la peinture? Ouais, c'est de la peinture époxy, des trucs comme ça. Mais je crois que c'était des vrais chromes. Ça coûte rien dessus là. Là ça coûte 10 balles. Ah ouais? Oh non. Là le bras aussi, c'est un vrai, tu vois. Ah oui. Moi je pensais que c'était vraiment du vrai chrome. Vas-y, fais-nous, montre-nous comment démarre une mobilette. Alors tu mets la trappe et le starter là. Ouais. Et après t'appuies sur le starter. Ouais. Et tu pousses, je t'attends et tu pries. Et tu pries. Et tu peux t'arrêter avec le moteur tournant ou t'es obligé de rouler? Ouais, tu peux t'arrêter. Ah ok, bah vas-y, bah reviens vers nous hein, dès que tu peux. Voilà. Oh bah ça va. Oh les gars, faut essayer, là, ça va. Mais non, ils sont pas là le jour là. Vas-y, Watt. C'est trop drôle. Hey, mais il bombarde hein. Hey, il bombarde hein. On dirait qu'il a mis un turbo dessus. Ouais. Oh ah non, c'est incroyable. Et il tourne à quoi? Il tourne à 6% 3D. Hein? Ouais. Oh, c'est trop drôle. Ah, mais des fois, tu mets trop d'huile, tu sers. Vas-y, on va aller faire un arrêt au stand comme toi, on a fait. Oui, allez, arrêt au stand. Ici, ici. Stop, stop. Voilà. Eh, ça fait du bruit, hein? Ouais. Ah ouais, hein? Non, c'est incroyable hein. Et voilà. En plus, ouais, putain, ça fait du boucan hein. Ouais, bah tu rappuies sur le décompresseur, c'est bon. Ok. T'as filmé ton filtre air Il est où? Putain, ouais, attends, on a raté le filtre air, on y retourne. Ah, c'est un... Ah ouais, y a pas de filtre air? Non, bah... c'est pas la place. C'est pas la place pour les boîtes à platine. C'est ça, là? Ouais. C'est quoi? Mais juste de la... Là, je sais même pas ce que c'est de la... C'est une mousse, ouais, c'est... Une sorte de mousse. Et ça sort direct de là? Ouais, tu la changes sans mousse de temps en temps, c'est... Ah ouais. Ça vide de défense, tout ça. Ouais. Et au Colson, c'est serré. C'est sympa. Mais en vrai ça part d'un coup hein. Ouais. Non, c'est beaucoup trop stylé hein. Pour se balader ça doit être bien. Bon après je pense qu'il faut un kit parce que d'origine ouais, tu te fais chier ouais, hein. Ouais. Toi t'aimes bien? Tu préfères ça par rapport au scoot? Si tu devrais garder qu'une chose, tu gardes celle-là. Je sais pas, j'essaye les 50, ça me plaît pas. Ouais. En fait je pense qu'il faut être dans le délire. Faut être dans le délire, tu vois. Et ça c'est quoi du coup? C'est pour le phare à l'avant là, le petit interrupteur. Mais du coup en vrai ça c'est tous les darons ils ont eu ça avant. Je sais que moi mon père en a une. Toi je pense que oui. Ouais. Tous les pères en ont tout. Et puis après ils nous disent non, quittez pas vos 50. Ouais. Je te jure. Tu peux faire des races avec. Ah, n'a rien comprendre. Ouais, derrière t'as une vraie communauté sur Facebook et tout, ça doit bombarder. Tu vois, faut aimer. Oui, faut aimer. Moi j'aimerais bien avoir ça mais en deuxième tu sais pour te balader loin. Ouais, bah faut être dans le délire. Faut être dans le délire. Plus d'une moto. Et du coup ouais, comme on disait, tu t'es jamais fait contrôler. T'as jamais eu d'embrouille. Donc en vrai. Ils passent mais ils connaissent pas donc. Ouais. Ah, mais ça doit leur rappeler leur jeunesse. Bah ouais. En vrai, je pense que si t'arrêtes, ils sont vraiment dans le délire, ils sont là en mode. Ouais. Ah ouais, t'es en kit 70 et tout. Ils vont rien dire et tout. Non, en vrai, c'est cool, hein. C'est cool, sympa. Bon, t'as des réseaux où on peut te suivre ou pas? Ouais, sur Insta. Vas-y, envoie. Lenny.mrc, donc L-E-N. Vas-y. 2-Y. 2-Y? Ouais, 2-Y. Parce qu'on m'a piqué le. Ah ouais, le SM. Et c'est quoi après Lenny? Point MRC. MRC, ok, nickel. Lui, c'est homme masqué du 6-2. Et lui, c'est ma moto ne roule pas. Point com. Non, mais en tout cas, merci de nous avoir présenté ça parce que moi, je l'avais jamais vu. Moi, j'aime bien. Tu mets quelle note? Moi, je mets 10 sur 10 parce que j'aime bien. Ouais, 10 sur 10. Ouais. T'as un faux cul, t'as pris la même note que moi. T'as menti. 11 sur 10. Toi, tu mets combien, toi, là-bas? Pour la rareté? 9,5 sur 10. Et toi, tu mets combien? C'est la tienne, donc tu mets 10. Je mettrai 69 sur 10. 69 sur 10, ah, ouais, putain, c'est bien choisi. Elle est pas finie, ouais, t'as dit que t'allais. Bientôt. Avec le carter, en vrai, ça serait déjà plus. Non, mais le cadre et tout. Hein. Ouais, 4 coups. Franchement, là, si je veux bien faire vraiment à fond, je pense que j'ai encore 500 balles de prêt. Ah ouais, et après, elle sera au top. Bon, bah, nickel. Hein. Enfin, je comprends pas le guidon, comment ça se passe en fait? C'est juste dès qu'il rentre. Ouais, voilà. Ah, tu rentres des tubes et tu les sers. Ouais. Du coup, tu reçois ton guidon, il est. En deux tubes en fait. En deux parties. Ah c'est ouais. Un truc comme ça, en fait. Et 50 Factory, il y a beaucoup de pièces de. Il y a 50 Factory en fait. Ils sont blindés. 50 hein. Factory, franchement, meilleur. Ah ouais, super, putain. Le jour où je vais toucher le chèque de commission, je vais acheter un RS3 avec. Ouais, t'as inversé les poignets là, un peu là. Je t'ai rendu compte de ça après ou t'as fait exprès? Je crois que je me suis rendu compte 3 mois après. Ah, ça c'est trop drôle. Heures, et ça c'est quoi là? C'est pour serrer pour pas que ça se barre? Non, ouais, c'est mon câble pour l'éclairage. Ah. Ouais, parce que t'es quand même dans la légalité au final. Hein. Ça freine, ça s'éclaire ou ça s'éclaire pas? Non, ça éclaire genre. C'est...
Bon, en tout cas les amis, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si vous voulez qu'on présente d'autres 103, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un message et à le mettre en commentaire. En tout cas, c'était une belle expérience parce que moi j'en avais jamais vu. Et au final, bah, je comprends le délire. Et puis voilà. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo les amis, gros pouce bleu. 5000 pouces bleus, j'en achète une. J'espère qu'il n'y en aura pas parce que j'ai vraiment pas envie, c'est trop cher. Sur ce les amis, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, on est bientôt 200 000. Salut les mecs, au revoir. Mathis, Mathis il se frappe dessus. Ouais. Allez, salut les mecs, ciao. I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man.